Bonjour et bienvenue, il est 10h13 et nous sommes le lundi 24 avril. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition thématique d'Anoumoï et Piqué, aujourd'hui en ce lundi. Donc nous intéressons-nous à Zodi sur la protection et la conservation de l'environnement. Donc comment nous tout connaît, le monde change à un rythme alarmant et si nous n'agissons pas rapidement, l'environnement sera irréparable, et ben niveau de pollution pour atteindre un point de rupture irréversible. Changement climatique, disparition d'espèces ou d'habitats naturels, érosion sont entre autres conséquences du dérèglement climatique. Comment on tout connaît, nous, l'environnement dépanne de solutions trouvées pour personne et l'organisation engagée dans la cause de la protection, donc qui œuvrait tous les jours à pied d'œuvre. Et aujourd'hui, c'est qui nous peut causer avec nous l'invité du jour en plateau, Daksh Biari Panré, vice-président et project leader au sein de Environmental Protection and Conservation Organization. Bonjour et bienvenue, monsieur Panré. Bonjour, Frédéric. Et merci pour l'invitation sur le plateau. Donc, comment on dit, je pense que l'environnement, c'est une affaire qui concerne tout. Et nous, tout nous concerne. Donc, aujourd'hui, nous là pour expliquer un peu nos associations qui ont un travail à nous faire. Et voilà. Donc, autant de travail, donc nous connaissons qu'ils ont agi donc, sur le terrain, à pied d'œuvre, avec une équipe dédiée qui peut agir de manière à conserver l'environnement pour les générations futures. Donc, le thème de l'émission en Zodi, c'est quel plan pour les générations futures? Donc, quelles sont les stratégies dégagées donc, pour laisser un environnement meilleur aux générations futures, donc nos enfants, nos petits-enfants, donc de quelle manière pour regagner ça, l'héritage, Simoka a dit comme ça, de l'environnement, de la terre et de tout ce qui va avec. Donc, l'idée de nous devoir, nous, l'être humain, l'espèce humaine, de donner aux générations futures un environnement sain, dans lesquels vous êtes capables d'épanouir, vous êtes capables de vivre, bien dire, qui pour propice à autres l'environnement. Donc les projets pour la protection de notre planète, donc où l'ONG est n'a tout plein de projets qui dans le tiroir, qui sur la table, qui paie à TAN pour être concrétisé, qui et d'autres aussi qui déjà en cours. Donc déjà pour commencer, donc pour Benjamin qui peut suivre nous et qui pas forcément une TAN pour les de l'Environmental Protection and Conservation Organization. Donc pour commencer, est-ce qu'il est capable explique nous où l'ONG. Donc, comment ils trouvent le jour, depuis quand, comment il y existait, et aussi le fonctionnement de votre ONG. Donc, nous, association EPCO, et c'est Environmental Protection and Conservation Organization. Donc, nous sommes fondés en 1987, et après, nous avons enregistré nous en novembre 1988. Mm-hmm. Donc, si vous calculez ça à l'époque-là, quand nous t'y créons et nous t'y enregistrons, nous, pas en commun, mais dans l'existence du ministère de l'Environnement à Maurice. D'accord. Donc, nous avons un long parcours depuis que nous avons fondé en 88. Donc, plus que 30 ans de l'expérience. Donc, quand nous t'y fondé à l'époque, association-là, le côté l'environnement à Maurice, c'est bien différent. Il est parti comment il était aujourd'hui. Et tout de suite après nos fondations, après nos créations, nous commençons avec un projet de sensibilisation, distribution, sac en poubelle, etc. À un niveau comme si, dans village, dans communauté, etc. Donc nous commençons avec ramassage de déchets, distribution de poubelles, etc. à l'époque. Et doucement, l'association-là, elle grandit avec les temps et nous grandit, nous gagnons l'occasion pour faire plusieurs les autres projets aujourd'hui. Ok, donc plusieurs projets à ce actif, donc comment on peut dire moi, voient le jour, avant même le ministère de l'Environnement qui voit le jour, donc comment on peut dire moi. Est-ce que c'est l'idée vient d'où? Est-ce que c'est un groupe d'amis, c'est un groupe de personnes qui a à cœur, bien dire, la cause environnementale, qui nous regroupait, qui nous dit, il arrive un délai pour qu'il nous déboute et qui nous prend conscience de l'environnement pour qui nos générations futures
pas et on paye le prix fort. Oui, définitivement. L'association Nine, créée en 88 avec un but et une raison aussi. La raison, c'est ben, c'est un groupe d'amis, comment on dit. Ce groupe d'amis-là, chaque personne qui déjà a ce travail, qui déjà a un travail fixe. Mais quand je suis allé dans l'endroit, comme une plage publique à l'époque, ça, une plage publique là, c'est dans un état pitoyable, pas si entretenu, il y a saleté partout. Partout, il y a comme si une bouteille écrasée, etc. Chose qui est regrettable, donc. Donc, oui, exactement. Et c'est là que ce groupe d'amis là, qui décidait qu'il n'est pas pour capable de continuer comme ça, pour bien faire quelque chose. Donc, c'est là même qu'ils ont discuté sur pouvoir créer cette association là. Et c'est de là que l'association là, comme si il naît à travers ça l'impact la plage là. Donc, Monsieur Panré, vous mettez le point sur un aspect très 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 important de nous, l'environnement, de la flore locale, ce qui est de nos plages, qui aiment de nous ban bien dire vitrine. Nous ban vitrine vers l'international. C'est quand nous cause Maurice, nous cause forcément, nous mettre de l'avant, nous la place. Nous la place. Et comment on peut dire? Et parfois, quand nous allons demander certaines places, de trouver qu'il y a un déchet, ban déchet de verre, ban déchet, ban dimoun à la place, pas forcément. Et n'a comme pratique, et God and poubelle et coup. Donc nous pouvons amplement le temps revenir l'eau, ça sera tout cuit là un peu plus tard, par rapport au travail qui peut abattre le terrain, par rapport à ban conséquences aussi du dérèglement climatique et aussi de l'impact des ban dimoun qui peut faire sur nous l'environnement. Donc, c'était la moitié envie qu'on ait, donc nous arrivons à comprendre donc, comment l'organisation EPCO il voit le jour. Donc, Astella, donc comment est-ce qu'ils s'organisent? Astella, mais envie qu'on ait ça. Donc, moi, je me pensais, le public aussi envie qu'on ait. Donc, quels sont les axes d'intervention d'EPCO? De quelle manière est-ce qu'EPCO peut agir de façon à, et comment dire, conserver et protéger notre environnement? Donc, bon, quand j'ai débuté en 88, c'était plutôt un petit projet, comment nous pouvons dire, un petit projet de sensibilisation. Nous avons servi une quotité qui nous demande, pays nous, pour faire différents projets au niveau village, différents projets au niveau communautaire. Mais petit à petit, EPCO grandit, il y a plus de volontaires, il y a plus l'équipe, l'équipe aussi a grandi. Et nous avons des gens qui viennent de nous. Et c'est là, à partir de là, petit à petit, nous commençons à diversifier nous-mêmes nouvelles activités. Nous n'est plus trop focus sur la pollution, l'environnement, parce qu'il nous connaît qui l'environnement, il y a plusieurs axes qui connectent avec lui. Et c'est là que EPCO, comme si nous commençons à faire différents projets. Donc nous focus li pas exactement juste la pollution, mais nous focus l'eau un peu le côté biodiversité terrestre, biodiversité marine, biodiversité de l'eau douce et aussi biodiversité costale. Nous travaillons aussi l'eau pas mal de projets sur le changement climatique dans le passé et nous on coupe et travaille l'eau là. Et nous travaillons aussi beaucoup de projets sur poverty alleviation, comme si circular economy. Donc, nous avons un projet qui est assez diversified et il n'est pas limite, nous pas limite nous à un seul axe. Mais donc, tout ce qui évoque nous là en ce moment, Monsieur Panré, donc c'est beaucoup de choses en même temps. Donc, qu'on peut cause la biodiversité, donc nous peut cause la biodiversité. Donc, mais qu'est-ce que c'est la biodiversité, Monsieur Panré? Donc, nous stand souvent, Tan Paul, de sa thème là, que ce soit à la radio, que ce soit à la télévision. Donc, c'est un thème qui englobe tout ce qui vous plaît dire. Mais est-ce que, quel est le terme exact? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, biodiversité? Ok, donc la biodiversité, bon, le mot même, si nous prenons, il nous casse les en deux, il y en a deux mots dedans, donc bio, qui veut dire biology, donc tout ban flore et faune, et diversity, c'est-à-dire c'est ban différentes, comme si ban variété de ban différentes faunes et flores qui existaient dans un écosystème. Donc nous focus c'est bon nous focus il focus un peu le différents écosystèmes. Donc la biodiversité c'est plutôt si nous pouvons dire en termes plus simples c'est la richesse de la flore et de la faune en termes plus simples.
Donc, tout bonne plante, tout bonnes animaux, tout bonne espèce vivant qui nous est là dans un écosystème. Donc, c'est ça la biodiversité. Donc, nous là, pour qu'on nous cause biodiversité, beaucoup du monde, bon, je ne connais qui veut dire plante, qui veut dire animaux. Peut-être le terme biodiversité, vraiment, peut-être, il est encore un peu difficile pour certaines personnes. Mais quand on nous cause protection, c'est la protection, voilà. Donc, quand on cause protection de la biodiversité, c'est quels sont les mécanismes, une stratégie qui un ensemble de personnes ou peut-être une personne individuellement capable adapter, dit capable comment dire faire pour qu'il est capable mettre en pratique ça une bonne bon geste pour qu'ils soient capables comment dire conserver protéger la biodiversité, la faune et la flore mauricienne. Donc la faune et la flore mauricienne, donc nous connaît qui est très riche, comment on peut dire. Donc, ben, l'étranger, quand je viens à Maurice, c'est la vitrine de Maurice, la faune et la flore. Donc, je trouve à Maurice les plages qui sont bien dire idylliques. Nous, on a la flore, bien dire la forêt endémique à Maurice, une espèce qui peine nulle part autre ailleurs. Donc, est-ce qu'ils ont dit où pensait le Mauricien, les sont-ils concernés, est-ce qu'il y connaît que qui ça l'héritage, qu'il y gagné, qu'ils étaient en main là? Je vous dis où. Donc, pour répondre à sa question-là, moi, je pensais que oui, il y a beaucoup de Mauriciens qui sont bien conscients de l'environnement, bien au courant de la situation, comment il était. Mais bien sûr, il n'y a pas pour un affaire qui peut capable active aujourd'hui ou le lendemain, parce C'est un que travail de longue haleine. il y a un travail de longue haleine, il y a un travail assidu qui vient faire, surtout avec les nouvelles générations et les enfants à l'école, etc. Et beaucoup de bonnes associations qui déjà avaient fait, donc vous saluez ça va l'association-là, qui déjà avaient fait beaucoup de travail dans l'école, dans ce système académique pour ça les élèves-là. Mais bien sûr, problème-là, il est pour là, parce qu'il faut de nous guetter avec une autre langue aussi, que population augmentée, donc stress sur l'environnement aussi augmenté avec les temps. Donc tout ça là, c'est un facteur qui peut affecter l'écosystème et la biodiversité. Donc nous besoin guetter comment nous pouvons capables travailler ensemble pour qui comme c'est ça stress de l'augmentation de la population, de genre un stress ça, faut pas y impacter nos écosystèmes, nos biodiversités. Donc, on met le point sur un point sensible par rapport au stress sur l'environnement. Donc, nous, en tant qu'êtres humains, nous connaissons qui le stress, man affaires externes qui sont capables d'influencer nous, qui sont capables d'avoir l'impact sur nos comportements, sur nos behaviors, et qui fait qui est capable d'impacter nous, que ce soit positivement ou négativement. Donc, où est-ce que servit le terme stress sur l'environnement? Donc, c'est-à-dire, qui peut dire par le stress sur l'environnement? Est-ce que l'empreinte, les conséquences, chaque acte et geste de chaque personne, chaque action, il y a une conséquence pour nous l'environnement? Oui, définitivement. Donc, mon pensée, chaque action qu'il nous fait, hein, c'est définitivement il a un impact sur l'environnement qui nous était. Mais bien sûr, il y a beaucoup de monde, peut-être, nous pas encore réalise, nous pas encore connaît qui toute bonne action qui nous fait, hein, est-ce qui nous calcule qui sur l'impact peut être l'environnement, ou bien nous préfère pas réfléchir ou pas calculer. Mais ça, il y a une question de personnes et de personnes différentes, les voyez. Mais donc, moi, mon pensée, c'est ce qui. Chaque personne, quand je fais une action ou bien quand je fais une place, j'ai besoin tout le temps d'une conscience de l'impact qui se tient dans l'environnement. Donc, ça, c'est très important pour qu'il nous avance de l'avance sur l'utopique. Donc, Zodizou, nous avons un ministère de l'Environnement, nous avons une personne concernée qui est supposée bien à cœur la cause environnementale. Donc, il y a aussi des ONG telles que la vôtre qui peuvent œuvrer tous les jours. C'est ce travail, c'est dédié, c'est un personnel dédié, donc vous pensez qui, ou avec toutes les personnes qui sont autour de vous, donc vous tenez à cœur la cause environnementale. Donc, mon pensée, c'est une cause noble et qui vient avec beaucoup de défis.
Donc, j'y défie aussi, Diamo Pense, l'implémentation de beaucoup de projets qui se peuvent faire en ce moment. Donc, si vous êtes capable, partagez-nous un peu qui va une action concrète qui peut organiser le terrain de manière à... Oui, donc nous, en tant qu'association ici à Maurice, nous toujours on a un grand focus le côté sensibilisation, l'éducation, etc. Donc ça, c'est un travail qui jamais nous arrêter. Nous restons continuer à faire lui-même parce qu'il nous connaît, c'est ça même nous l'avenir, ça même nous futur. Donc c'est une affaire qui nous continuer à faire même dans les années qui suivent. Et tout le projet aussi qui nous peut faire en ce moment et qui financer. Et beaucoup ça va un projet là, c'est pas un projet qui deal direct avec la communauté. Donc quand nous cause communauté, nous cause ben différents ben villageois, ben des gens qui restent qui des différentes communautés, ben différents villages. Et dans tout nouveau projet, nous avons une composante le côté sensibilisation, l'éducation, etc. Surtout à ben jeunes et ben madame, etc. etc. Donc ça c'est un travail qui reste continuel et qui pourrait se faire même. Et c'est la seule façon que nous trouvons qui pourra assurer qu'il a à venir de nos bonnes jeunes pour une plus conscience l'environnement, etc. Donc, selon vous, la meilleure des façons d'entreprendre ce combat, c'est par la sensibilisation, c'est par l'éducation de tout un chacun, c'est une éducation qui commence que de même, donc pour qui, Mandimoun, la jeune génération, soit mieux aware, pour qu'ils soient capables d'avoir un geste plus, bien dire, correct envers l'environnement, c'est ça? Définitivement, bon, la sensibilisation n'est pas réduite là, nous pas pour expect qu'il y ait un changement, c'est ça avec sensibilisation, c'est ça avec l'éducation. En parallèle, nous avons action aussi. Définitivement. Mais le fait que nous une association, nous avons, comment nous dire, nous avons, we are the watchdog of the society, nous là pour vraiment raise the alarm quand il y a un problème, identifier le problème et nous travaillons beaucoup avec les communautés directement. Et c'est-à-dire nous direct nous trouve solution à un problème qui va une communauté peut faire face. Mais nous pas là pour implémenter la loi ou pour venir ban la loi ou ban changement. Ça, c'est plutôt le travail du gouvernement et ben les autres parastatales qui existaient à Maurice. Mais bien sûr, sensibilisation et l'éducation n'y pas résiste là. Mais en parallèle, bien à action. Et nous avons un projet qui nous peut faire, il y a beaucoup d'actions, mais actions suivies de sensibilisation et l'éducation aussi. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un certain manque de concertation parmi les parties concernées, bien dire, donc comment ou précisément, ou très présent, si vous me comprenez bien, ou très présent sur le terrain, est-ce que vous pensez qu'il y a un manque de concertation ou même de considération par rapport à tout le monde parti concerné qui est au terrain face à, bien dire, l'état-major ou quoi que ce soit? Oui, définitivement. Bon, le fait qu'il nous l'ôterait, bon, association à Maurice même, si nous calculons, nous guide bien, ben, l'association qui est là à Maurice, il y a beaucoup d'associations. Il y a vraiment beaucoup, mais chaque association, il y a ce spécifique scope, ce spécifique travail qui différent. Il y a une association de travail avec ben, les enfants, il y a une association de travail avec ben, vieille d'immune, il y a une association de travail avec les affaires de l'environnement, et il y a plusieurs différentes associations. Mais quand nous venons de l'environnement même, quand nous guettons, il y a pas mal d'associations qui peuvent faire pas mal de choses, mais vraiment, il n'y a pas une affaire qui nous tout nous connaît. Parce qu'il faut pas oublier, nous, en tant qu'association, nous avons un challenge. Par exemple, visibilité, nous avons un challenge de visibilité, nous avons un moyen pour capable faire nous-mêmes visibles. Et financement aussi, tout le temps, il y a un problème, parce que nous avons ça support financièrement là pour capable investir dans nos côté visibilité. Donc, nous avons un challenge aussi dans l'association, mais me penser, le plus grand manquement, c'est comme si un manque de synergie entre les associations. Donc c'est un manque de synergie, c'est un manque de dialogue ou pensée. Est-ce que, comment dire, l'autorité n'est pas assez concertée avec une partie prenante, comment c'est le terrain qui, me pensez, a une meilleure conception de la réalité, de ce qui se passe sur le terrain, qui dégaine bureau, me pensez, monsieur Panway. Oui, définitivement, le manque de synergie, c'est pas seulement au niveau de ben, l'association dans Maurice, mais un peu au niveau entre associations, secteur privé et aussi gouvernement.
Il y a un manque de synergie entre les trois aussi, et il y a un manque de synergie entre les associations. Nous peinons vraiment comme si une plateforme, enfin, il y a même une plateforme qui existait online, qui regroupe un peu l'association, mais comme si il y a un manque de communication, il y a même un gap qui est là, et ça va un gap là, moi, penser, ça aussi, il crée un souci, parce qu'il y a des fois, une association capable d'implémenter un projet, il trouve une difficulté, il finit à apprendre, on appelle ça un lesson learned, mais cette association-là, nous trouvons une autre association capable de faire les mêmes affaires ou quelque chose un peu différent, mais nous sommes capables d'aider dans une certaine façon pour éviter ça une même difficulté qui nous fait face là. Mais il faut nous connaître qui peut arriver et qui peut dérouler pour nous capables d'aider. Donc, quelquefois, c'est ça qui nous retrouve, nous. Et des fois, nous-mêmes, nous faisons des affaires, là, nous réaliser et telle place dans Maurice peut faire le même projet. Donc, nous ne sommes pas au courant. Donc, ça, c'est un gap et c'est un manque de synergie qui nous besoin de trouver une solution. Donc, nous revenons un peu par rapport au défi, la cause environnementale, c'était là. Et donc, aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a beaucoup de défis climatiques qui émergent. Donc, une soudaine prise de conscience, peut-être parmi les Mauriciens qui nous trouvaient qui, voilà, pendant plusieurs décennies, un scientifique qui tire la sonnette d'alarme pour dire que, voilà, et telles affaires peuvent arriver et que le climat peut changer drastiquement et que nous plus ou moins fait la sourde oreille. Et aujourd'hui, nous pouvons le prix faux, bien dire, nous pouvons trouver qu'il voilà, y a un flash flood, le climat est changé. Quand matin, quand il y avait un soleil, en l'espace de 10 minutes, inondation pour lui, impraticable, bien dire. Donc, comment ou explique une soudaine prise de conscience? Est-ce que le Mauricien n'est pas forcément, n'est pas certain qui soudainement, je peux dire un changement au moins? Oui, définitivement. Je pense que nous tous, en tant que Mauriciens, ici à Maurice, nous sommes un peu choqués avec une récente activité qui est arrivée. Par exemple, longtemps, nous connaissons, nous tenons une seule affaire qui s'appelle cyclone. Tout le monde connaît cyclone. Exactement. Et cyclone, nous sommes tellement habitués avec lui que nous avons un système bien très simple pour préparer lui. Nous tout connaissons quand un cyclone vient, qui bise à faire, il passe dans la radio, il passe dans la télévision. Tout le monde prépare lui, nous avons une certaine comme si une discipline. Nous sommes déjà au courant. Mais après ça, avec l'évolution, nous trouvons qu'il commence à gagner les autres désastres naturels, comme un flash flood, c'est une affaire qui n'est pas si commune, mais il commence à arriver. Et quand vous guettez, flash flood, il crée des events dans l'histoire de Maurice. Et ça, des events là, c'est un event qui tout le temps reste gravé dans nos mémoires. Donc, il y a un changement climatique, il y a une affaire qui peut arriver, Maurice, qui n'est pas si énorme avant, et qui peut commencer à arriver. Et ça, c'est l'impact du changement climatique ici à Maurice, définitivement. D'accord. Donc, voilà, donc, moi, au Pédia, moi, c'est mal l'impact qui non négligeable, qui tout le monde peut constater. Et aujourd'hui, à Maurice, est-ce qui. Vous pensez que c'est quoi, bien dire, l'aspect le plus important qui va le Mauricien bien dire considérer aujourd'hui et le problème le plus majeur, le plus important et le plus récurrent pour le Mauricien en thème environnemental aujourd'hui. C'est quoi le problème le plus urgent selon vous, l'urgence? Donc pour nous, le fait que nous aussi membres de GNDR, Global Network for Disaster Risk Reduction, et moi personnellement, moi-même, mon focal point pour l'île Maurice, dans sa association-là, qui regroupe beaucoup de membres internationalement. Donc nous, l'équation est assez simple, et c'est nous besoin de diminuer nos risques. Donc individuellement, nous sommes capables de diminuer nos risques avant un désastre naturel. Et pour nous diminuer nos risques, nous besoin de diminuer nos vulnérabilités. Donc il y a une équation assez simple. Si nous diminuer nos vulnérabilités, nous diminuer nos risques. Et comment nous diminuer nos risques, c'est bien sûr nous besoin de prendre nos bonnes précautions. Il est bon pour ressortir, pour faire un monde comprendre que le changement climatique, il y a une affaire qui est très difficile à prédire. Et aussi qui nous trouver qui une flash flood là aussi quand il arrive très soudainement et pas préparé, pas l'attendre. Et il est bien difficile pour prévoir.
Et nous connaissons qui maintenant, technologiquement aussi, nous avancé, nous avons un radar, nous avons un système qu'ils mettent en place. Mon juste météo, il peut faire ce baisse pour prédire la pluie, etc. Mais il n'est pas aussi facile qu'il va nous penser. Donc, ça, c'est une science qui progresse tout le temps comme ça. À moins d'avoir une nouvelle découverte, une nouvelle technologie. Mais nous avons besoin d'adapter, nous. Donc, c'est adaptation, vous pensez, et nous avons besoin de diminuer nos exposures, nos risques à sa bande désastre naturel là. Il y a plusieurs façons du monde qu'à faire. C'est lui besoin régler sa structure sur la case et lui besoin pas exposer lui-même à ban risque quand il y a ban différentes calamités dans ce genre. Quand il y a des flash floods, il y a des érosions, donc tout ça là dû au réchauffement climatique. Donc, comment, ou en tant qu'un activiste qui œuvrait pour la cause environnementale, comment vous sentiez-vous quand vous pétanez du réchauffement climatique? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour l'avenir s'agissant de ce topic-là? Si nous prenons conscience, Zodi, ou est-ce qu'il est trop tard, Zodi? Zodi, Zodi. Non, il n'est pas une affaire qui est trop tard. Il est définitivement jamais trop tard. Nous bien commencer à prendre conscience, nous bien commencer comment baleine fait, il y a une graphe qu'ils ont fait internationalement. Sa graphe-là, il dit comme ça, nous pas capable, comment dire, baisse-li un seul coup, mais nous capable comme si stabilise-li. Donc, les bons nous faire ressortir qui mourissent quand nous guette nous globalement en tant qu'un pays, en tant qu'un petit État insulaire en développement, nous pas créer beaucoup de pollution, nous pas contribuer à greenhouse gas et nous pas contribuer à ban gaz à effet de serre et à la pollution, etc. Comparé avec ban pays développés comme la Chine, l'Amérique, etc. Mais même ça, le fait qu'il nous ait un petit État insulaire en développement, nous ressentir, ça va l'impact là. Parce qu'il nous bien isolé, nous bien fragile, et nous un petit île, le map du monde, et nous entouré avec la mer. Donc, définitivement, qu'il n'est pas question de. C'est trop tard, mais ce qui est important, c'est nous bien capables. Trouver une solution que nous capables adapter nous avec la situation. Et nous devons trouver une solution comment nous capables diminuer l'impact et aussi diminuer nos ban exposés, nos ban risques au changement climatique. Voilà, merci. Donc il y a même un thème, on sait qu'il y a un scientifique, une prend pour décrire que qui est un zoo, que comment dire l'humanité, les caves, comment dire contribuer à la fin de l'ère de l'homme sur la Terre. Donc moi, je ne connais pas un temps pour ça, mais forcément le doomsday clock, est-ce qu'il y en a quelque chose à voir avec le changement climatique, avec le dérèglement qui peut arriver? Bon, ça me pensait un peu fictif, Ok. un peu comme un film qu'ils ont déjà créé. Bon, il pas nécessairement libouvine dans sa façon-là, parce que ça, il est difficile à prédire. Mais le vrai qui va le changement qui peut dérouler là, nous trouvons, nous peut expérience, nous connaissons la fonte des glaces qui peut dérouler dans le pôle nord et sud, nous connaissons qu'il y a une augmentation de température, dérèglement de climat, et nous avons des affaires qui nous capables scientifiquement prouver. Mais est-ce qu'il doomsday pour la cause du changement climatique? Ça, il est vraiment un peu difficile pour répondre à cette question, parce qu'il me pensait. Il est trop difficile pour nous dire les affaires maintenant, quoi. Définitivement. Définitivement. Donc, Zodi, cher internaute, donc nous causons de la protection et de la conservation de l'environnement, donc pour les générations futures. Donc, nous pouvons accueillir aujourd'hui en plateau Dax Biari Panré, vice-président et project leader au sein de Environmental Protection and Conservation Organization. Donc, pour l'heure, donc nous vous prenons une direction, une pause pub, bien dire. Donc, et nous vous revenons juste après la pause. En cette période marquée par une crise sanitaire qui perdure, se rendre dans les boutiques et autres supermarchés pour faire ses emplettes n'est pas toujours chose aisée. C'est là qu'entre en jeu la boutique en ligne Smart Market Sales qui propose de belles offres sur plusieurs produits pour la rentrée des classes.
De nombreuses gammes d'articles sont accessibles à petit prix à toutes les bourses. Gourdes, garde-manger, sacs de repas, tout y est en tout juste quelques clics. En cette période marquée par une crise sanitaire qui perdure, se rendre dans les boutiques et autres supermarchés pour faire ses emplettes n'est pas toujours chose aisée. C'est là qu'entre en jeu la boutique en ligne Smart Market Sales qui propose de belles offres sur plusieurs produits pour la rentrée des classes. De nombreuses gammes d'articles sont accessibles à petit prix à toutes les bourses. Gourdes, garde-manger, sacs de repas, tout y est en tout juste quelques clics. En cette période marquée par une crise sanitaire qui perdure, se rendre dans les boutiques et autres supermarchés pour faire ses emplettes n'est pas toujours chose aisée. C'est là qu'entre en jeu la boutique en ligne Smart Market Sales qui propose de belles offres sur plusieurs produits pour la rentrée des classes. De nombreuses gammes d'articles sont accessibles à petit prix à toutes les bourses. Gourdes, garde-manger, sacs de repas, tout y est en tout juste quelques clics. En cette période marquée par une crise sanitaire qui perdure, se rendre dans les boutiques et autres supermarchés pour faire ses emplettes n'est pas toujours chose aisée. C'est là qu'entre en jeu la boutique en ligne Smart Market Sales qui propose de belles offres sur plusieurs produits pour la rentrée des classes. De nombreuses gammes d'articles sont accessibles à petit prix à toutes les bourses. Gourdes, garde-manger, sacs de repas, tout y est en tout juste quelques clics. Nous sommes de retour dans le studio de l'émission à nous, Moyer Piqué, aujourd'hui en ce lundi 24 avril. Il est 10h45 et si vous venez de nous rejoindre, donc vous pouvez suivre l'émission thématique à nous, Moyer Piqué, donc aujourd'hui, qui peut mettre l'emphase. Donc nous pouvons faire une émission qui est axée sur l'environnement, la protection et la conservation de l'environnement. Donc quel plan pour les générations futures? Donc nous pouvons intéresser nous à la conservation de l'environnement, de la faune et de la flore mauricienne qui nous connaît une vitrine de nous l'île vers l'international. Donc c'est ça qui nous met de l'avant, c'est la richesse de la faune et de la flore. Donc pour en parler aujourd'hui, donc nous accueillons en studio Dax Pierre Panré, vice-président et project leader au sein de Live Environmental Protection and Conservation Organization. Donc, à nous Moyer Piqué, c'est une émission à suivre. Donc, notre plateforme Facebook Solidarité Moyer Piqué, donc à 10 à 11 heures. Donc, nous arrivons presque dans la dernière partie de l'émission. Donc, pas hésiter, envoyez-nous votre bonne question sur le 460-47-16 ou le 460-47-17 ou même envoyez-nous The Bank Question directement sur le live. Donc, dérèglement climatique, disparition d'espèces ou d'habitats naturels. Donc, déjà, bien dit, le premier qui fait les frais, bien dit, c'est le dodo, le mythique dodo qui, scientifique, peut référer vine à la villa. Donc, un sentiment par rapport à ça, donc monsieur Panré. Donc oui, définitivement, il y a des affaires qui nous suivent un peu dans les news. Il y a des affaires qui se paient de fait à lui. Bon, on va connaître si c'est possible. Mais moi, je pense que les affaires génétiques, tout ça, il n'y a pas des affaires qui cavent tant peu, qui nous cavent jouer. Donc, bon. Maintenant, c'est une bonne scientiste, mais franchement, moi pas a trop beaucoup hope là. Voilà, ça c'est mon point de vue personnel. Donc, une petite parenthèse donc, qu'il nous fait par rapport à sa projet qui nous tout, d'une forcément gain de réaction.
que ce soit positif ou négatif. Donc, il y a beaucoup de commentaires qui fusaient sur les réseaux sociaux par rapport à cette annonce-là. Donc, ça nous retourne un peu par rapport à nous, nos focal points aujourd'hui, donc qui est bien dire la protection et la conservation de l'environnement. Donc, c'est le cheval de bataille de notre organisation EPCO, donc qui peut œuvrer depuis un bon moment déjà dans le paysage local pour aider bien dire à protéger l'environnement. Donc, EPCO, quand nous t'en cause EPCO, donc nous connaissons aujourd'hui qu'EPCO est beaucoup sur le terrain, elle mise beaucoup sur la sensibilisation. Mais est-ce qu'il se peut gagner une bonne aide en termes avec le gouvernement pour mettre de l'avant, comment tu peux causer la visibilité de ban ONG? Il y a un gros souci aux ISO. Donc, nous, à l'association, comme c'est nous ban projet, nous gagnons nous ban financement plutôt internationalement, et pas vraiment local, parce que local, ban financement n'est pas vraiment facile à gagner, et aussi, nous peinons beaucoup ban support financier pour nous ban projet. Donc, c'est pour ça que nous pensons qu'internationalement, nous n'avons plus grand chance. Nous gagnons un bon financement parce qu'il est basé avec l'expérience et comme il en est nous au terrain et côté internationalement aussi nous il a plutôt comme si une open competition comment nous dire et beaucoup d'associations apply et passent par un critère bien strict par une évaluation bien stricte et c'est là qui nous guettait si nous essayons tant que nous chance ouais. Mais c'est un fait qui peut surtout surprendre moi, Monsieur Pranré, par rapport à ce qui vous pèse diamant, vous évoquez moi là, dit que c'est la cause environnementale, donc un étranger qui part à Maurice, qui part forcément à Maurice, depuis senti plus bien dire concerné pour la cause que l'institution ou un organisme local qui ici dans le pays qui supposément qui bien appelé sa cœur, sa cause. Hein. Oui, donc mon pensée, il y a un manquement aussi de bonnes institutions et bonnes compagnies privées, peut-être le côté financement, parce que compétition là aussi, il y a beaucoup, parce que comme on nous connaît, Maurice, nous avons beaucoup d'associations, il y a presque 1500 associations qui ont enregistré. Il n'est pas facile comme si pour ben, gouvernement et secteur privé, elle finance toute bonne association. Définitivement. Mais nous toujours open to suggestion et aussi pour un financement qui va accompagner puis envie de financer. Je ne veux pas dire qu'ils nous pas gagné dans le passé, nous gagnons et nous des fois nous gagnons ben funding à travers CSR pour un projet bien spécifique. Nous avons plutôt une compagnie privée qui approche nous. Qui viennent de l'avant avec votre propre projet et ce besoin comme si elle suppose besoin d'association pour grave design projet là et pour implémenter voilà. En parlant de projet, Monsieur Panré, donc en parlant de projet, donc concernant l'implémentation d'un projet, mettons qu'il si un tiers pas aussi un projet, il vient présenter ça avec ou c'est où qui a l'association qui présente un projet à un organisme international. Donc comment ça se passe dans la façon qui posait l'implémenter, ce qui me pensait d'une étude de cas, vous êtes essayé de la viabilité du projet. Donc comment ça se passe? Oui, définitivement, il y a une assez longue étape. Il n'y a pas une affaire qui est aussi simple. Donc, tout d'abord, avec l'expérience et l'exposure qu'il y a dans le terrain depuis plus de 30 ans, ça a aussi joué un grand rôle parce qu'il nous déjà travaille beaucoup avec les communautés et avec Bandimoun, nous déjà connaît que le problème là était. Donc, à travers ce problème là, nous essayons de trouver une solution. Donc, nous finissons d'identifier le problème là. Maintenant, pour trouver une solution, nous avons besoin de financement. C'est là qu'il nous vient dans partie comme si project concept design, ça veut dire par exemple si nous avons une communauté de pêcheurs, je peux trouver un grand problème quand il y a un cyclone, je peux pas capter ce bateau, je peux la rampe pour construire, pour capter avec un trailer qui est fixé là-bas pour capter ce bateau, par exemple si c'est un problème, les nous avons un financement qui pour tailor-made, par exemple pour fishermen, climate change ou des affaires comme ça, il y a différents thèmes aussi. Donc, quelquefois, c'est comme ça, nous route financement directement avec banque financière, ou quelquefois, c'est par appel à projet qui publish online nos différentes institutions. Donc, c'est à travers là qu'ils nous apply pour un projet, et là, nous attendent qu'il y ait évalué, nous sélecter, etc.
Et avec, donc nous connaît, donc l'économie, bien dire, reprend les petit à petit de bonnes perturbations qui n'est causées par l'avènement de la COVID-19. Donc tout le monde, ONG qui nous rappelle tout là, et quand il évoque de ça, donc ça a été un bouleversement international. Donc est-ce que le COVID-19, après le COVID-19, ban bien dire, ban financier là, je deviens un peu plus réticent pour subventionner ban projet, bien dire. Non, au fait, nous, c'est le contraire, parce qu'après COVID-19, nous trouvons qu'il nous a un secteur privé, sur un financement côté CSA, il diminue. Et beaucoup de compagnies disent, bon, je ne sais pas pourquoi finance un projet pour une association, parce qu'il a pris pas de funding a dans COVID Fund. Il finit injecté là-bas. Donc, je n'ai plus un financement pour finance une association. Donc, COVID-19, pour nous, définitivement, il a impacté nous, en tant qu'une association qui peut œuvrer dans un projet, etc. Parce qu'après COVID-19, nous avons trouvé que le financement est devenu plus difficile maintenant. Donc, ça, c'est l'impact. Et aussi, qu'il ne fallait pas oublier que, bon, nous, en tant qu'une association, je peux travailler beaucoup avec une communauté, une pêcheur, surtout dans le sud-est. Donc, c'est déjà un changement climatique qui peut impacter les autres, parce que les autres dépendent beaucoup de l'eau, des ressources dans la con. Mais après changement climatique, en général, il y a COVID-19. COVID-19 aussi, il bien impacter les autres, parce qu'il y a un lockdown. Et beaucoup d'autres ban cases, PC, une PID, une coquin, une damage. Beaucoup de ban bateaux aussi sont endommagés, il n'y a pas de maintain, parce qu'il y a un bateau besoin de tirer, mettre sur la peinture anti-fouling, etc. Mais il y a beaucoup de problèmes de pêcher, ils subissent. Là, dit ça après ça, ça veut dire que cause des premiers events qui perfectent les autres, puis venir même. Troisième event, c'était le oil spill qui est arrivé. Wakashio, comment nous tout connaissons. Ça aussi, une, comment nous dire le terme en anglais, c'est exacerbé. Comme si empire les choses pour savoir Inexacerbe les choses, exacerbe les assez choses pour assez critique voilà pour eux. parce que ben la petite déjà peut faire face à une difficulté ben un événement qui devient une suivent un et un autre une vie complique les choses encore donc voilà donc c'est pas seulement COVID-19 mais normalement les autres l'impact Les aussi autres qui l'a aspects qui contribuaient. Donc, comment on peut cause l'aspect là du ban pêcheur du sud? Donc, après 2 ans, si je ne me trompe pas, après l'événement Wakashio, donc je vous dis, quelle est la situation de ce ban pêcheur là? Est-ce qu'il ou une la chance poil à cette rencontre? Est-ce qu'il ou Gaëtan une la chance de rencontrer ce ban pêcheur là? Oui, définitivement, nous avons fait plusieurs projets qui nous peuvent faire dans la région là-bas. Donc, nous faisons beaucoup de surveys aussi. Et nous travaillons comme si avec eux depuis avant Wakashio même, il est arrivé. Hein, avant Wakashio même, nous sommes déjà en contact avec eux. Donc, nous sommes déjà au courant de cette situation, de ce problème. Mais le main problème, c'est ça, le problème que il y a plus de demand que de supply. Parce qu'il y a la peste de l'Agon. Et nous l'avons sur les ressources, il bien baissé. Et je peux la capacité, le training et l'équipement qui est bizarre pour capable offshore. Donc ça aussi, c'est un challenge qui m'a baissé. Bon, il y a plusieurs challenges qui se font face de la vie de quotidien parce qu'il est temps même, il y a un challenge. Un PC élevé, il a besoin de la pèse aujourd'hui pour gagner ce gain pas, mais les temps pas bon, bad weather, il n'est pas qu'à sortir. Donc, Il il y a gagne une bad famille qui weather à paye la des Wens, banques mais de. bad weather à la Wens, il n'est pas assez pour couvrir ce ban dépense. Donc, et il y a une difficulté qui va un pêcheur à faire face. Hein. La vie d'un pêcheur n'est vraiment pas facile. Et il y a beaucoup de affaires qui nous pas connues qui peuvent arriver, qui nous pas qu'à prédire. Donc, nous essayons de faire le mieux pour sensibiliser, pour faire un training, une activité pour savoir un pêcheur là, pour être plus capable, comme si développer une méthode, comment nous dire, sustainable. Phishing techniques et que si montrer un peu une facilité qui ban gouvernement peut donner par exemple ban loan DBM peut donner duty free le ban moteur bateau nous avons beaucoup de pêcheurs qui ben la même pas connaît et n'a tout ça ban facilité là et aussi nous trouvons qui ben a envie de créer une coopérative de pêcheurs mais je peine la capacité pour faire ça donc je peine je pas connais comment pour remplir forme comment pour le quitter qui organisation que plus en quitte ça donc nous là pour et pour comme si setup tout ça
Tout ça va une facilité là, à ce niveau. Donc c'est un travail louable, bien dire qu'ils ont pu faire, qui, mon pays, il a plusieurs subventions, plusieurs aides qui peuvent être offertes à ces pêcheurs-là, mais qui ne sont pas forcément avouées. Donc parce qu'ils ont mon pensée, ils ont trois causes, ils ont les temps, puis finir l'eau, la mer. Donc ils ont besoin, comment dire, besoin d'être tracé, comment l'adage mauricien le dit. Donc pour faire votre famille gagne suffisamment à manger sur la table. Donc c'est une problématique qui m'a pensé qui pour besoin qui était un peu plus en profondeur par rapport à ça. Donc qui m'a pensé et qu'on peut faire ce travail dans le background pour essayer de venir à bout de prendre un problème là parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs, de plus en plus de pêcheurs qui peut plaigner par rapport à tout ce qui peut arriver. Et donc nous cause un peu plus tôt l'événement du bois cachot. Ou en tant qu'un activiste qui n'a que la cause environnementale, quelle est votre lecture de cet événement-là? Est-ce que vous pensez que c'est un événement qui va éviter? Est-ce qu'il y en a pour la suite plusieurs autres naufrages au large des côtes mauriciennes? Donc, comment on vit ça, l'épisode-là? Bon, premièrement, ça, épisode-là, moi, bon, c'était une nouveauté. Pareil, comme un flash-flood, c'est une affaire qui nous pas connaît. Et oil spill aussi, une affaire qui nous fait face. Mais définitivement, pour eux, tout est une nouveauté, c'est un nouveau event, c'est une nouvelle catastrophe, même pour le gouvernement aussi. Et c'est définitif qu'ils Maurice parti préparer à un tel événement. Quand nous guettons un coup, comment la situation est détériorée, et comment ça panique là, il crée que la communauté même une mise à mobiliser pour faire ban boudin pour empêcher de l'huile faner. Nous trouvons que c'était une panique pour tout le monde, pour la population générale de l'île Maurice. Et nous trouvons qu'il est parti prêt, définitivement nous parti prêt. Mais la question se pose, c'est qui est-ce qu'il maintenant nous prêt? Donc ça aussi, c'est un topic qui nous pousse à essayer de voir, mais est-ce qu'il nous prêt, est-ce qu'il nous comme nous laisse, nous apprendre nos leçons, nous connaît comment dire, qui ça un événement là, il y a un événement qui est capable de réarriver, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il Maurice, nous comme si nous placer dans l'océan Indien, comme si au milieu d'un highway, de tout ça, un gros bateau qui peut traverser nous là, pas qui a une affaire comme ça, pas pour capable de réarriver dans le futur. Dit comment dire, ou le highway, il y a 4-5 lignes, il y a l'autoroute aller venir, après vous mettez un djibouti là-bas. Et ou expect qui dit mouna, un loto zame pa pou tap avec dit mouna. Il y a un peu dans sa style là, parce que quand on dessine ban graph, l'internet t'y montre qui nous l'en highway, nous l'en parcours, que beaucoup bateaux traversent avec nous. Donc, nous bien peut-être plus préparer nous à sa man qualité événement là, à sa man calamité là dans le futur. Donc ça, bien dit, c'est pas bien dit, c'est la faute du Wakashu n'est pas un événement naturel qui est arrivé, donc une cause au cours de l'émission, bien dit, les effets et les causes aussi du changement climatique. Donc comment est-ce que ça peut impacter nous aujourd'hui, donc dans nous la vie de tous les jours. Donc, ou au sein Monsieur Panré, donc quelles sont les choses qui vous préconisez donc pour qui les générations futures, bien dire, et récit bénéficier d'un environnement meilleur, d'un environnement sain, pour l'épanouissement. Donc moi premièrement c'est ce qui m'a pour dire à ben jeune ou ben des gens qui ont envie comme si contribuer à l'environnement c'est premier d'abord tout le temps il y a une pensée pour l'environnement donner un peu de qui action donner un peu de qui ça fait à de faire imagine l'impact qui ça peut avoir dans cet entourage et c'est la seule façon qu'ils sont capables peut-être pour commencer réaliser les conséquences. Avec informe autres parce qu'ils n'ont qu'à trouver, même qu'il y a assez rare maintenant de nos jours, qu'il y a un petit bout de pémor, c'est les nègres prennent ça, ils étaient comme ça, il y a encore là, il y a encore existé. Et comme on dit au début de l'émission, on dit, il y a un petit bout dans la plage, ils étaient se saleté, même s'il y en a poubelle aussi, ça livrait. Il y a une affaire qui tout le temps pour là, pour là, nous pouvons avoir une qualité du bout là. Mais nous vous comme c'est la majorité, ben du bout aussi, puis commence à prendre conscience de l'environnement. Et je peux faire ce qui est le nécessaire. Mais bien sûr, nous travaillons de sensibilisation et l'éducation, ça c'est un travail qui pourrait se continuer. Et nous hope, c'est la future generation qui pourrait venir, c'est pour une plus meilleure conscience de l'environnement.
Et s'agissant de EPCO, donc est-ce que y a un bénévole qui travaille avec Zot? Comment Manjimoun qui peut écoute nous, peut trouver nous via nous live Facebook, bien sûr. Donc si Zot a envie, prend connaissance de ce que fait EPCO, Zot a envie rejoindre la lutte, est-ce que EPCO est ouvert à man bénévole, à Manjimoun qui peut envie, amène Zot Pierre à l'édifice donc pour ce combat que Zot a mené? Oui, définitivement, nous open à bonne volonté et nous aussi encourageons de contacter nous d'après nos sites web www.ipco.ngo. Vous êtes qu'à entrer sur vous, nous allons donner l'eau là, nous allons contact numbers, email, tout ça. Mais nous avons bonne volonté, hein, nous avons beaucoup bon agreement qui nous fait avec bonne université internationale aussi. Que tous les années, nous avons une internationale, une volontaire qui vient, et local aussi, nous avons une université, une étudiant qui vient et nous avons un projet. Après, nous avons les autres du monde qui viennent, d'après les temps disponibles, ce pénacou, ce pénaman, l'école, etc. Là, ils viennent de nous aussi un coup de main. Mais ça, il dépend de la personne, mais nous, open, parce qu'il y a tout le temps une petite chose pour nous faire et tout le temps nous besoin d'aide. Et nous pensons, any help is most welcome. Ça veut dire, nous open. Donc, comment peser donc la cause est juste. Et donc, EPCO, c'est l'organisation qui est ouverte à man bénévole aussi, si tu as envie aider à contribuer pour un avenir meilleur. Donc, pas hésiter, prends contact avec EPCO sur ce site web, donc le www.epco.ngo. Donc, sur le site web, vous avez toutes bonnes informations relatives, tout bon détail. Donc, comment prendre contact avec l'ONG EPCO. Donc, et pour terminer, donc nous arrivons à bien dire à la fin de notre émission, quelques minutes bien dire à la fin de notre émission. Donc, si Utica vient nous et quels sont les projets à venir, est-ce qu'il enfin si ou bien sûr capable causer parce qu'il me connaît un collaborateur étranger qui involve qui est impliqué. Donc, quels sont qui nous attendent nous dans les jours à venir? Quels sont les projets en cours ou les projets qui nous pour être réalisé dans les années, voire les jours qui sont à venir. Donc nous attendons pour ça l'année-là comme si nous pouvons continuer avec nos bonnes activités qui nous déjà peut faire et nous pouvons continuer à faire à travers l'île, nous pas pour restreindre nous à un seul l'endroit ou à une seule région et nous pouvons continuer à œuvrer dans l'environnement, nous pouvons essayer continuer sensibiliser, train Mandimoun, aider Mandimoun le maximum qui nous capable comme si pour se trouver une solution à ce problème de l'environnement, cause de l'été. Et voilà, et climate change, c'est un fight de pas maintenant. Nous pouvons continuer parce que le problème, c'est qu'il y a un petit état insulaire en développement. Donc, comment nous dire, nous avons un site nous, tout le temps pour faire face à cette difficulté-là. Donc, nous pouvons adapter nous. Et voilà, c'est ça le mot de la fin, c'est adapter nous et nous continuer de faire un bon travail de d'éducation sur l'environnement. Donc l'adaptation, donc la prise de conscience de tout un chacun est important, est primordial, bien dire, si j'ai envie faire évoluer, bien dire, ben, behavior, le comportement même de bonne personne, bien sensé, comment on peut dire, loin de la place, et c'est ramasse de bonnes déchets quand je suis à la place, ou quand je parle d'un lieu, bien dire, endémique, et c'est respecter, un respect envers l'environnement. La faune et la flore, donc c'est important pour qui nous capable passe à la génération future un meilleur environnement. Donc, Monsieur Panré, donc, mon remercie vous déjà d'avoir répondu à nous l'invitation, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Donc, c'est une émission qui est très informative, bien indienne, et si nous comprenons un peu, donc, EPCO. So involvement, so la peau, donc comment EPCO il peut contribuer pour qu'il bâtir un environnement, un avenir. Mais donc, mon remercier vous encore une fois, Monsieur Panré. Donc, et m'espérer trouver peut-être dans une autre émission ou pour une autre émission qui nous cause une autre affaire en particulier. Donc, l'environnement, c'est une affaire qui est très vaste, bien dire. Donc, il n'est temps ni pas forcément. Assez pour cause tout ça là. Donc, nous, plateau, nous, l'antenne, il reste ouvert.
Il reste ouvert, Monsieur Bonré. Donc, moi, tenir à remercier aussi Richiram Kisun qui derrière les consoles aujourd'hui pour la réalisation de cette émission et retrouver l'émission à nous moyens piqués qui revient ce mercredi avec l'émission en format standard, l'émission format normal, côté point ban de Léonce qui peut être formulée et ben solution qui peut être qui nous ban journaliste puis tente de résoudre qui peut tente de trouver à l'instant. De Emma Chedenbrum et Rodney Pialui qui pou des vôtres d'ici mercredi. Donc pour l'heure, donc pour aujourd'hui, c'est fini. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Merci.